Alors, Doc Gynéco, vous êtes le client idéal pour une interview alerte rose, bien sûr. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Il a trouvé ça, ce connard. Tu vas voir les emails là-dessus. Ouais, c'est énorme. Un bon chat est un chat mort. N'oublie jamais le proverbe. Alors, Doc Gynéco, vous préférez draguer ou vous faire draguer? Draguer. Larguer ou vous faire larguer? Me faire larguer. Embrasser ou vous faire embrasser? Ça, je le fais vraiment, c'est réservé à une élite de filles. Moi, ça me brise le cœur. Il ouais, n'y a que 800-900 filles qui ont droit à la bise. Ah ouais. Vous préférez caresser ou vous faire caresser? Caresser. Moi aussi. Ouais. Quel est le lieu idéal pour faire l'amour? Attends, la plus d'autres. Je pensais que vous préférez défoncer ou faire défoncer. Non, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est fini pour cette ce partie-là de l'interview, oui. Le lieu idéal pour faire l'amour? Un Porsche, sous un Porsche. Sous un Porsche. Le lieu où vous ne pouvez pas faire l'amour? Dans une Porsche. Oui. Est-ce que vous avez besoin de faire l'amour pour aimer ou d'aimer pour faire l'amour? J'ai besoin d'aimer pour faire l'amour. Enfin, j'ai besoin de 50-50, mais 60... Il faut qu'il y ait un petit quelque chose, 60-40, ouais. 60 pour le 69-31. Sexe, 40 pour 40 pour l'amour, d'accord. Vous préférez une femme qui baise bien mais qui est infidèle ou une femme qui baise mal mais qui est fidèle? Putain, une vraie question, c'est le sujet du bac, ça. Non, non, ils vont le donner au bac dans certaines... Oui. Ouais, je vais prendre la fidèle. La fidèle qui baise mal? Elle aimera ça, sûrement. Ah oui, d'accord. Vous la ferez changer d'avis. Oui. Une gonzesse, vous préférez qu'elle vous quitte pour un mec ou pour une fille? Pour une fille, ensuite je pourrais me faire... Est-ce que vous préférez être caressé par quelqu'un qui vous répugne ou battu par quelqu'un qui vous aime? Oui, le sadomaso, ouais, pourquoi pas. Mmh. Je suis pour le sexe et... enfin, et toutes ces diversités. Vous préférez une fille qui couche avec un autre en pensant à vous ou qui couche avec vous en pensant à un autre? Je préfère une fille qui me demande de l'appeler salope, pute. Ouais. Au ouais. lit, plutôt qu'elle pense à, ouais. à un autre. Enfin, dans la vie, j'appelle pas, de tous les jours, j'appelle pas les filles putes et salopes, mais au lit, ouais. elle me le demande souvent. Ouais. C'est professionnel. Ouais, c'est un art, ça. C'est gynécologique. Ouais. Tu crois que tous les gynécos, ils appellent leurs patientes comme ça? Bien sûr. Bien sûr, non. Je sais pas si t'es bien renseigné. Là. Hey, on voulait, quand on était petits, on voulait tous faire gynéco, finalement, c'est lui qui l'a fait. Vous préférez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec une fille moche ou juste embrasser sur la bouche une fille sublime? Moi, je préfère la moche. Hein. Est-ce que pour vous, embrasser, c'est tromper? Ouais, c'est grave. Hein. Si votre meuf embrasse un autre mec, vous considérez qu'elle vous trompe? Avec le recul, ouais, ça peut faire mal. Hein. Mmh. Doc Gynéco, est-ce que sucer, c'est tromper? Si elle l'a bien fait, enfin, comme... Comme je l'apprends. Magnéto, Serge. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.